Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Wongfu, et c'est Wongfu d'Age of Empire 2. Et l'édition HD, parce que le jeu est maintenant disponible sur Steam, ils l'ont ressorti en version HD, avec tous les DLC, donc Age of Empire 2, Edge of King, la campagne des rois, The Conqueror, c'est le... à l'époque c'était le deuxième CD qui était sorti, ils ont maintenant rajouté des DLC, donc la campagne de Forgotten Empire, que j'ai acheté, la campagne du Royaume d'Afrique que j'achèterai prochainement, et je compte tout vous filmer bien évidemment. Steam Workshop, je sais pas si vous avez essayé, oui, donc j'ai modifié quelques certaines choses, hein. Donc en gros j'ai modifié certaines textures de terrain pour les fermes, et j'ai modifié la destruction des navires pour que ça fasse un peu plus réaliste. Mais sinon, le jeu en soi est resté globalement ce qu'il est. J'ai pas trop dénaturé le jeu, juste pour finir pour que ce soit plus agréable pour vous de regarder. Ensuite, faut savoir qu'étant donné que j'ai acheté notamment la campagne de Forgotten, j'ai accès à des technologies supplémentaires par rapport à ceux qui n'ont que l'édition de base. Je préfère vous le dire tout de suite pour pas que vous soyez étonnés. Donc notamment accès à certaines technologies pour chacune des factions qui... Je vais pas vous présenter, sinon ça c'est un peu vous... Si je peux vous présenter une faction au pire ou au pif. Par exemple, je vais prendre les Aztèques. Si je prends les Aztèques par exemple, tout... Normalement on a qu'une seule faction, qu'une seule technologie d'élite avec l'édition de base, c'est celle-ci. C'est la 4ème époque. Mais avec depuis que j'ai acheté The Forgotten, j'ai une technologie à 3ème époque qui améliore les unités. C'est plutôt des bons bonus. Plus après quelques petits bonus par-ci par-là, qui sont apparus avec certains DLC, pas avec d'autres, mais ça vous vous en rendrez compte. Donc ça c'est bon trait. Donc voilà, tata, 1987. Bah, c'est quand même un très vieux jeu quand même. C'est bizarre que j'ai pas la cinématique de lancement. Je sais pas pourquoi, je vais essayer de vous la trouver d'ici là. Et nous on va se faire, donc bien évidemment on va faire d'abord Wian Wallace, la campagne d'apprentissage, donc didacticiel. Puis après on fera les campagnes dans l'ordre, hein, de chacun des DLC, donc la campagne des rois, puis la campagne des conquérants, puis The Forgotten. Et enfin on fera... Ah, pas encore. Ah ah, j'achèterai prochainement. Comme ça, vous pourrez avoir. J'aurai peut-être des nouvelles technologies d'ici là. Mais voilà. Je réaliserai, je sais pas en quelle difficulté, toutes les missions. Il y a certaines missions que je n'apprécie pas dans les jeux. Par exemple, je prends celle-ci, je l'aime pas. Celle-ci, je l'aime pas beaucoup. Celle-ci, ça, c'est bien, c'est bien. Ça va, Saladin, j'aime bien. Genesis Khan. Ça va encore. Bon, ouais, après, il y a certaines campagnes, il y a certaines missions que j'apprécie pas, donc je m'excuse si je baisse à discuter pour ces missions-là, mais voilà, c'est pour essayer d'équilibrer, que ça soit agréable pour vous. Donc, mieux vaut que ça soit pas trop compliqué. Et on va commencer avec le didacticiel, donc vous aurez cette semaine les 7 missions du didacticiel. Je sais, ça fait beaucoup de vidéos, mais comme ça, ça vous mettra l'eau à la bouche. Et au moins, vous dites, pour ceux qui connaissent pas Age of Empire, c'est en quelque sorte la base. Le fondement du STR, donc du jeu de stratégie actuel, et on en doit beaucoup à ce jeu. Je vais aussi noter juste une chose, comme vous constatez, on voit où apparaissent les points, où ils sont tous découverts, donc voilà, je ferai dans l'ordre, c'est pas grave si vous voyez les noms avant, c'est un petit peu, vous avez toujours 6 missions par campagne. Ce qui est agréable, c'est que vous voyez en fait la carte du continent derrière, donc ça vous pouvez à peu près vous situer dans l'environnement. Et ça peut être agréable pour vous pour après vous situer historiquement. Donc c'est parti avec Wian Wallace et l'indépendance de l'Écosse. Marche et combat. Age of Empires 2 vous fera bâtir, combattre et conquérir. Vos origines seront modestes, un petit village de l'âge sombre. Partez en exploration pour étendre vos frontières, commercez pour améliorer votre économie et développez des technologies pour faire de votre civilisation un empire grandiose. Mais des obstacles vous attendront. Des ennemis sournois s'opposeront à vous. De puissants châteaux devront être détruits. Des tyrans seront déchus. Et si vous êtes habile et quelque peu chanceux, vous bâtirez peut-être l'une des merveilles du monde.
et créerez un empire à l'épreuve du temps. Pour apprendre à créer un empire, aidez notre premier héros, William Wallace, à s'élever de ses modestes origines. Nous n'avons pas de chef. Le roi d'Écosse est décédé sans laisser d'héritier. La guerre se développe depuis le sud, d'où Edward Longshanks, le roi d'Angleterre, avare, est revenu victorieux de ses campagnes pour partir à la conquête du Pays de Galles et de la France. Tant que Longshanks convoitera l'Écosse, l'ombre de la crainte pèsera sur les Highlands. Les Anglais comptent des milliers d'archers gallois, des centaines de chevaliers à cheval et des douzaines d'armes de siège. Nous, les Écossais, nous avons une foule de soldats inexpérimentés qui ne savent même pas marcher en ligne droite. Nous devons agir vite. Si nous voulons avoir des chances de résister, nous devons former une armée par tous les moyens possibles. Les Anglais répandent la terreur en Écosse, et c'est le moment pour nous de riposter. Si nous voulons les vaincre, nous devons tous apprendre à marcher et à combattre. Suivez le chemin jusqu'au drapeau bleu. D'abord, cliquez sur le soldat. Juste une chose, il faut savoir que pour ceux qui jouent encore à Vampire 2, mais pas ils sont âgés, il y a quelque chose d'assez marrant avec les ordinateurs en 64 bits, c'est qu'en fait l'arborescence des couleurs est décalée. Pas chez tout le monde, mais j'avais des amis qui ont eu souci. Par exemple, l'eau était rose. C'est pour ça que j'ai pris des soins âgés, comme ça je suis sûr de ne pas avoir ce problème là. Et c'est plus agréable pour vous, visuellement c'était un peu, ça a été retravaillé pour que ça soit compatible avec les ordinateurs de maintenant. Bien. Maintenant, cliquez sur le bouton Drop près du drapeau bleu. Bien. Maintenant, déplacez-vous jusqu'au drapeau suivant. Cliquez sur le soldat, puis cliquez avec le bouton droit près du drapeau. Excellent. Pour aller vers le prochain drapeau, vous devez traverser la zone noire. En vous déplaçant dans la zone noire, une partie plus importante de la carte apparaît. La zone noire représente le territoire inexploré. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, allez au prochain drapeau où vous rencontrerez des soldats alliés. Pour déplacer tous vos soldats ensemble, cliquez près des unités et entourez-les. Puis cliquez avec le bouton droit pour les déplacer. Essayez de déplacer vos soldats jusqu'au prochain drapeau. Est-ce que toutes vos unités ont atteint le drapeau? La route devant vous est gardée par un avant-poste anglais. Faites défiler l'écran vers le haut jusqu'au bâtiment de l'avant-poste en déplaçant votre souris. Puis, cliquez sur l'avant-poste rouge. Cliquez avec le bouton droit sur l'avant-poste pour l'attaque. Ouais, j'ai pas parlé beaucoup dans les tactiques, parle beaucoup, mais bon. C'est pour certains, ça peut être intéressant, pour d'autres. Voilà, mais je fais toujours ça, comme ça au moins vous découvrez le jeu, en plus ça fait une campagne en plus. L'avant-poste est détruit. Cela devrait réduire les attaques des Anglais. Continuez sur le chemin jusqu'au village. J'enlèverai mode des fermes. Bien chez soi. Mais attendez, les Anglais sont en colère car vous avez détruit leur avant-poste. Ils vont attaquer votre village. Pas de panique. Cliquez sur vos soldats et cliquez avec le bouton droit sur les soldats anglais rouges pour attaquer. Je me suis trompé de mode en fait. Si vous sur les soldats ennemis, vous aurez gagné votre première bataille. Bien joué. Maintenant, vous savez comment résister à l'armée anglaise. Ah, bon, ça finit comme ça. Je m'excuse, en fait, je me suis planté... Alors, j'explique pourquoi je me suis planté de mode. Bon, là, on voit le trucage de la map. Désolé. En fait, c'est pas le bon mode de ferme que j'ai installé. Bon, ça arrive, c'est pas grave. L'Écosse a enfin des soldats, malgré leur petit nombre. Mais si nous voulons repousser l'avidité d'Edward Longshanks,
Nous aurons besoin de beaucoup d'autres recrues et surtout, il nous faut remplir nos coffres d'or. Ces vieilles pierres et ces chaînes qui nous entourent baigneront bientôt dans le sang des Écossais. Et bah bon, ça sera tout pour aujourd'hui. Enfin dans cette vidéo, je vous dis à une prochaine fois, ça portez-vous bien. Et à tout le monde.